après, c'est où? Only with passé composé, we have to accord, right? Yeah. Normally also with passé composé only. Yeah, yeah. Over here, I'm a... Yeah, yeah. On utilise où pour les lieux ou le temps pour remplacer les lieux ou le temps. Remplacer. D'accord. Par exemple, je suis allée à Simla. Il y avait beaucoup de montagnes à Simla. Où est la répétition? Simla. Oui. C'est ça. Et c'est un lieu. Oui? Oui. Alors, comment je vais relier? Je suis allée. Je suis allée à Simla. Où? Où il y avait beaucoup de montagnes. Voilà. Ça, c'est le lieu. Après, on a le temps aussi. Par exemple, une minute. Je suis née un lundi. Je suis née un lundi. Il pleuvait ce jour-là. Où est la répétition? Ce jour-là. Ce jour-là. And that is expressing what? The time. Le temps. Alors, je suis née. Lundi. Où il pleut. So literally, où can mean where also, où can mean when also. Je suis née un lundi où il pleuvait. D'accord. Quatrième chose, ça c'est donc. On y utilise donc pour remplacer. Quoi? Pour remplacer deux plus répétitions. Par exemple, c'est mon ami. Le père de mon ami est médecin. Où est la répétition? Mon ami. Et avant mon ami, il y a deux. So before the repetition, there should be deux. D'accord? Et je vais remplacer tout ça par don. Je vais dire, c'est mon ami, dont le père est médecin. Oui, c'est ça. C'est bon? Oui. Je vais vous donner un autre exemple. Oui. Elle a acheté du fromage. L'odeur du fromage a empesté toute notre voiture. Où est la répétition? De fromage. Alors ça, c'est deux plus répétition.
Fromage. Pardon. Oui. On peut remplacer et qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a acheté du fromage dont Dans l'odeur l'odeur. a emposté toute notre voiture. Voilà. D'accord? If you like the video, don't forget to hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And with this video, we finally come to the end of this topic, which is the simple relative pronouns. In the next video, we'll come up with something new. Till then, bon courage et bonne continuation!